Oui, c'est des élevés. Allô? Oui? Bonjour, madame. Qui voulez-vous? Vous êtes le 66, 56, 77? Oui, qui n'est pas. C'est des élevés, Bulle? Oui, merci. Ah, c'est vous qui le demandiez tout à l'heure? Bon, il répond toujours pas. Hein. Dès qu'un aveugle se débrouille pour quelque chose, tout de suite c'est l'admiration débordante, alors que c'est idiot, quoi, puisque la cécité, bon, ben d'accord, c'est un handicap, c'est surtout pour se conduire, mais ça s'arrête là, il y a énormément de choses autrement pour lesquelles la cécité joue absolument pas. Donc quand un gars se débrouille bien, c'est pas un surhomme, hein, c'en est très loin, et il y en a une foule d'aveugles qui se défendent dans pas mal de domaines, des domaines même tout à fait inattendus quelquefois. Bon, ben pour le chien guide, c'est la même chose. Bon, les gens, quand un chien, par exemple un chien qui est dressé pour l'attaque ou pour la défense, c'est normal. C'est une chose qu'ils ont l'habitude de voir, mais un chien guide d'aveugle, alors ça, ils comprennent plus. Ils comprennent plus, alors ils lui attribuent beaucoup plus de choses qu'il n'en fait. Ils lui attribuent entre autres des facultés de réflexion, alors là, qui dépassent nettement celles du chien. C'est du folklore, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre, hein. C'est bizarre. Ou bien les gens ont une certaine peur des aveugles ou un certain phénomène de rejet, si vous voulez, ou alors ils sont admiratifs d'une façon outrancière. C'est tout l'un ou tout l'autre, il n'y a pas de milieu. Ouais. Nous sélectionnons les chiens pour le dressage afin d'obtenir des résultats les meilleurs et le plus rapidement possible. Il s'agit pour l'éducateur de dresser un chien en 3 mois. Pour cela, nous éliminons d'office les mâles et nous gardons les femelles pour différentes raisons. D'abord, elles sont plus douces, plus calmes et manifestent moins leur agressivité en ville. D'autre part, nous ne prenons que des sujets âgés entre 12 et 14 mois. Nous prenons des races qui ont de grandes qualités, comme le berger allemand, le labrador, qui ont fait leurs preuves dans de nombreux domaines, chiens d'avalanche, etc. Tu peux pas. Nous dressons les chiens assez rapidement. Lydia, en avant. En avant. Va chercher. Nous les mettons dans... Allez. Toutes les situations possibles dès le début, en insistant que sur des points simples tout d'abord, et nous les faisons travailler progressivement. Tout d'abord, le chien travaille en laisse pendant la période de sélection qui dure 15 jours, et puis nous lui mettons le harnais, c'est une partie métallique qui permet de sentir les réactions de l'animal. En avant, belle. Doucement, le trottoir. Tout droit, ton trottoir. En avant. Dès ce moment, le chien doit marquer l'arrêt au trottoir et commencer à donner les directions, soit à droite, soit à gauche ou tout droit. Le chien doit aussi, dès ce moment, apprendre à obéir. À différents commandements, il y en a à peu près une vingtaine. En avant, ta place, donne la place, ton trottoir. Allez, tout droit. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout droit. Allez, belle, en avant. Tout droit. Voilà, la place. Donne la place. C'est bien. En avant. Un chien bien équilibré réagira aisément et trouvera la solution là. La plus facile dans le temps le plus bref. Allez. Le trottoir, belle, à droite. Tout d'abord, l'aveugle est hésitant. Il n'ose pas s'aventurer, il se méfie. Et puis très rapidement, le chien force en quelque sorte l'aveugle à se décontracter, à sortir de son environnement, à s'élancer dans la vie avec son nouveau compagnon.
Le chien conquiert l'aveugle. Au début, disons qu'il y a un tâtonnement, aussi bien pour le chien que pour son maître. L'un et l'autre doivent se connaître. Les réactions ne sont pas toujours très coordonnées. Mais au bout d'un temps qui peut varier de 6 mois à 1 an, on se connaît très très bien, on connaît toutes les réactions de chacun. Et à ce moment-là, effectivement, on fait vraiment une équipe parce que les moindres réactions du chien sont bien interprétées par le maître et vice-versa. Quand il se présente quelque chose d'imprévu, souvent on le sent très bien, il choisit la bonne solution, enfin la bonne solution pour lui, qui n'est pas forcément une solution évidente pour tout le monde, mais il cherche toujours un passage qui de toute façon est un passage de sécurité pour son maître, même si c'est peut-être pas le passage que quelqu'un aurait sélectionné pour son maître à sa place. Il arrive que le maître donne des ordres contradictoires. Bon, et il arrive que le maître donne par exemple 2 ordres contradictoires dans le feu de l'action lorsque la circulation est un peu dense ou des choses comme ça. Et le chien a quand même un temps d'interprétation qui est certainement plus long que celui d'un humain. Et donc là, il cafouille un peu, il ne sait pas trop bien ce qu'il fait et ce sont des choses à éviter. J'ai commis une erreur dans le parcours que vous avez filmé. Je lui avais commandé au clou un carrefour. Il s'est très bien présenté au clou normalement. Et puis après, j'ai changé d'avis pour la voiture qui filmait, ça aurait été gênant. Alors j'ai pensé ne plus traverser. Je l'ai commandé à droite, chose que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû lui faire un demi-tour sur lui-même, mais de son côté. Et là, je l'ai commandé à droite. La première fois, il n'a pas obéi. Alors je lui ai commandé à droite un peu plus sèchement. Et là, il a obéi simplement parce que, bon, bah, quand le maître parle un peu de la grosse voix, il avance quand même, bien sûr. Et j'ai heurté la pancarte. Ça, c'est absolument de ma faute. Je lui ai fait contourner la pancarte. On est revenu se présenter au même endroit. J'ai touché la pancarte de la canne pour bien lui montrer qu'on avait touché là. Et là, il l'a prise au large tout à fait normalement, comme il doit le prendre. Et comme il l'aurait pris certainement si je lui avais pas donné un ordre qui n'était pas bon au départ. Belle, viens ici. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Coucher. Coucher là. C'est gentil. Donne la patte. C'est bien. Bon. Philippe et Daniel, vous êtes oui. Les deux éducateurs de l'école d'Angers. Vous vous occupez de combien de chiens? Vous en avez formé combien déjà? Vous en avez combien en cours? En avant. Nous avons formé 7 chiennes qui ont été remises à des aveugles de la région. 2 à Nantes, 2 au Mans, 1 à Angers et d'autres dans les régions périphériques. Actuellement, nous avons 8 chiennes en chenille. Il y en a 2 qui travaillent, effectivement, qui seront bientôt remises à des aveugles. 2 autres qui sont en sélection. Et des chiots qui sont placés dans des familles que nous espérons dresser dans un délai de 4 à 5 mois. En avant. Ton trottoir. À droite. Belle à droite, les lignes. Nous avons eu des visites d'aveugles, mais elles sont tout de même insuffisantes. Nous aimerions avoir beaucoup plus de contacts avec les aveugles, qui n'hésitent surtout pas à nous rendre visite, même s'ils ne désirent pas acquérir un chien dans l'immédiat. Ils ne s'engagent absolument pas. Et pour nous, ce serait très profitable de pouvoir échanger des idées sur ce sujet. Allez, Ben. Le banc. Belle, le banc. Cherche. Cherche le banc. Le banc, Belle. Cherche le banc. Belle, le banc. Le banc, où il est? Belle, le banc. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Et alors, ton banc? Belle, le banc. Voilà, c'est bien. Dans l'association, il y a 2 professionnels, les éducateurs. La partie administrative étant réglée par des personnes bénévoles. Vous savez qu'une des règles fondamentales de notre association, qui est rattachée à une fédération nationale, c'est de remettre gratuitement le chien guide à l'aveugle qui en fait la demande. Ceci nous impose donc des problèmes financiers énormes, dans la mesure où, tout bien pesé, le bilan financier fait apparaître un prix de revient de l'ordre de 13 000 à 14 000 francs par chien. Ces chiens étant remis gratuitement, nous devons donc assurer le financement de cette opération. Et pour cela, nous avons une source fondamentale et importante, ce sont les cartes de parrainage. Chaque fois que nous remettons un chien,
la presse, la radio, la télévision s'en fait l'écho, et nous éditons une petite carte de parrainage en créant un club des 1000 parrains de la chienne en question, de Lara, de Frida, de Gina, en espérant que parmi tous ceux qui nous encouragent et nous aident, nous trouverons 1000 personnes nous donnant un minimum de 10 francs par carte. En avant. En avant, le trottoir, belle. Ton trottoir. Ton trottoir, les marches. Donne les marches. Allez, les marches, plus près. En avant. Donne bien les marches. Il est certain qu'à terme, dans les années qui viennent, nous ne pourrons pas continuer à vivre uniquement et exclusivement de la charité publique. Il arrivera un temps où, par une nécessité financière, par une nécessité administrative, je dirais même politique, il faudra que des relais soient assurés par des organismes publics ou parapublics. Doucement. Donne bien la place. On va tout droit. Tout droit, belle. Mais un problème immédiat, c'est le recrutement de nos chiennes. Nous recherchons des sujets ayant des caractéristiques physiques et psychiques bien déterminées. Les éducateurs vous en ont parlé. Et il est bien évident qu'actuellement, les demandes d'aveugles affluent et les chiennes dont nous disposons ne pourront pas satisfaire à ces demandes. Et actuellement, on peut estimer qu'il faut au moins un délai d'attente d'un an environ pour satisfaire une demande d'aveugle. Donc, premier problème immédiat, le recrutement de chiennes et éventuellement de chiots que nous plaçons dans les familles qui les élèvent. Et puis nous avons un autre problème qui n'est pas seulement celui de l'association des chiens guides d'aveugles d'Anjou, qui est en fait celui de la Fédération nationale. C'est un problème à plus long terme, mais que nous voudrions voir résolu. C'est celui de la reconnaissance juridique du chien guide d'aveugle en tant que, je dirais, prothèse. Le chien guide est pour l'aveugle un aide, une présence affective, mais aussi une façon et un appui considérable pour une réinsertion socio-professionnelle. Et il est important que pour nous, cet aspect très très fondamental soit reconnu par les pouvoirs publics. Il est particulièrement anormal de devoir écrire à telle ou telle administration, à telle ou telle maison de retraite, parce qu'un aveugle se présente avec son chien et qu'on lui en refuse l'accès. 9 fois sur 10, il s'agit là d'une simple ignorance et les problèmes se résolvent, car un échange de correspondance met un point final à ces discussions. Mais en soi, sur le plan fondamental, il est anormal que ces discussions existent. Belle, en face, le trottoir.